Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va revenir sur 36 soirs de 3. J'ai vu qu'ils avaient fait une mise à jour aujourd'hui, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est une correction de bug qu'ils ont dû faire. Et on va se lancer un petit scénario dans la foulée. Qu'est-ce qu'on va se lancer comme scénario? Qu'est-ce que je vais lancer comme scénario? J'aurais voulu lancer. On va pas lancer celle-là, on va lancer. Attendez, choix d'itinéraire. Choix de l'itinéraire. Voilà. Fondamentaux. Alors attendez. Mais non, 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 déjà. Pourquoi déjà il commence directement pour aller là-dedans? Vers les trains. Choix d'itinéraire. On va aller. Tiens, voilà. Bah, le fameux DLC que j'ai une clé. Que j'ai la fameuse clé que. Comment vous dire? Qui est encore valide. Que j'ai reçu là avec les trois qui me manquaient. Parce que tant qu'à faire, ils m'ont renvoyé carrément tout le rush. Donc j'ai ces trois clés là que j'ai. Bon, enfin bref. Donc. Détail. On va partir. Sur un truc de 45 minutes. Avec clair et net. On va faire clair et net. Alors. Donc je peux pas choisir la locomotive, c'est bon, c'est eux qui doivent choisir automatiquement, je pense. Donc on fait sélectionner. Donc on va partir avec ça. Alors ça va être clair et net et voilà. Et on va faire ça. Bon. À bord de la locomotive. Écoutez, on va monter à bord de la locomotive. Déjà, hop. La porte, elle est où? Elle est sur le côté là. Ok. Voilà. Donc, on va mettre tout ça en route. D'accord. Hop.
D'accord. Tourner l'interrupteur d'amorçage pendant la position pendant au moins 4 secondes. Amorçage. Non, amorçage. Interrupteur sur marche. Alors attendez. Hop, on va se lever. Ok. Là, je règle ça sur fret. Voilà. Là. Attendez, je voudrais allumer quand même la lumière dans la cabine. Voilà. Je voudrais allumer. On s'en fout, marche. La dynamique, on s'en fout aussi. Phare arrière faible. Phare avant. Moyen. Alors attendez, c'est où ça maintenant? Encore quelques petits trucs à allumer. Je pense que ça doit être quelque part par là. Numéro avant. Arrière. Éclairage qu'on s'en fout. Éclairage qui on s'en fout. C'est les jauges que je voudrais allumer quand même. Toi, toi. Éclairage des jauges, je sais pas où, je m'en rappelle plus où il est. Éclairage des jauges, voilà. Donc. Voilà. Et toi? Aussi en fort. En plein phare, ok. Il me dit j'ai encore un truc à faire. Alors, attendez, on va déjà se positionner. Hop, qu'est-ce qu'il me raconte que j'ai phare de fossé? Pourquoi? Pourquoi faire le phare de fossé? Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Ouais, mais. Ouais, non, mais il y a un truc là. Je veux bien, moi, avancer. Mais peut-être avant que je tourne la plaque de. La machine, parce que là, sinon je vais tomber dans le trou. Si j'active pas la plaque tournante. Non, la porte est où? Elle est là. Parce que là, faut activer quand même la plaque tournante avant. Hein. Alors. Hop! Comment ça marche déjà ça? Verrouillé. Déverrouillé, voilà. Donc là. Non, c'est dans l'autre sens.
prochain. Non, mais c'est l'autre d'après. Voilà. Donc là, on verrouille. On avance dessus. Donc on va avancer tout doucement. Voilà. On est pas mal. Donc hop, là on se lève. Il y a un truc qu'il faut que je regarde. C'est comment je vais passer. Parce que faut que j'aille quand même là-bas. Faut que j'aille là. Et moi je suis ici. Comment je peux passer pour aller là-bas? Ah, je me pose la question. Est-ce que je ferais pas bien d'aller comme ça tout droit là? Toc 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 toc. Tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à là. Et après rebifurquer ici et revenir en marche arrière pour revenir. Ah non, faut que j'aille là-bas. C'est carrément là-bas qu'il faut que j'aille. Eh bien à la limite, faut que je vienne. Que je bifurque là, là, là. Alors, pour bien faire. Que je me trompe. Faut que je vienne ici. Faut que je passe sur cette voie là. Pour pouvoir m'atteler devant celle-là. D'accord? On est d'accord. Hein? Soit je viens, je me passe comme ça et je recule là, je m'attelle dessus. Soit je tourne la plaque jusqu'à là. Je viens ici. Je viens ici. Hop, comme ça, ici je reviens comme ça, alors, non, non, ça va pas là, ça va pas parce que là, là si je viens là, j'ai rien, faut que j'aille plus loin alors, donc à dire à toi, faut que je vienne là, ouais, bah j'ai autant de kits, ouais, excuse-moi, on va faire comme ça alors, c'est celui-là hein, qu'il faut que je vienne, j'allais pas me tromper, ouais, c'est celui-là, donc là, ici, que je passe là, 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 ici. C'est bon. Ici. Là, il faudra que je passe. Comme ça, voilà. Ici. Ça serait bien. Ça veut dire que là, que je vienne comme ça. Ici, c'est bon. Alors, je passe ici, là, sur cette voie-là. Là, là. Ah, je l'ai perdu. Ici. Je passe là. C'est la roche qui est là.
ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc j'ai dit que j'arrivais comment? Mince, là. 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 Ah, ici, je bifurque. Je vais tout droit. Ben non, même à la limite. Eh bien, ça serait passé comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Là, il faudra que je vienne comme ça. Comme ça, après, là, je reviens comme ça, là. C'est bon. Là, il faudra que je revienne comme ça. Voilà. Et là, je passe ici. Alors, ici. Là, ici, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Comme ça. Ici. Je suis ici, hein. Ouais, non, je peux laisser comme ça. Là, je passe comme ça. Là, je peux la laisser comme ça, oui. Là, je laisse comme ça. Là, par contre, je tourne là. Là, si je vais là. Non, ça va pas. Donc là, il faut que je vienne comme ça. L'idéal, ça serait de passer là comme ça tout droit. Là, je passe ici, ok. Là, je pourrais passer comme ça. Là, comme ça. Là, je passe ici. Et là, je passe ici. Donc. Que je décale de 1, 2, 3 au quatrième. Alors attendez. Ah oui, mais attends, qu'est-ce que je raconte? Faut que je vienne ici, hein. Je décale de 1, 2, 3 au quatrième. Au quatrième. Ce qu'il me dit de... L'avant est là. Mais si je décale de 4 comme ça, là je suis ici. 1, 2, 3, 4. Ça fait que je viens ici. Et c'est pas bon ça. C'est 4 dans l'autre sens alors. Ah, ça y est, je suis tombé dans le trou. Il est où l'escalier? Attends, si je décale. Je suis comme ça. Ça va pas mon histoire. Hein. Parce que là, j'ai des bâtiments. Je passe pas dans les bâtiments là-bas. Voilà, faut que je passe à ras de celle-là. Je passe à ras de la locomotive qui est là. Là, comme ça. Ok. Bon, écoutez, on va y aller en avançant parce que là, je crois que je vais me perdre sinon. Là, le truc, c'est que je croyais que je pouvais passer, mais là, le problème, c'est que là, sur la carte, ils mettent pas qu'il y a un bâtiment là. Moi, je croyais que je pouvais passer, mais non. Du coup, alors, si je fais comme ça, là, je viens ici, là, je
peux continuer tout droit comme ça. Là, je continue. Je reviens comme ça. De toute façon, bah oui, ça changera pas grand-chose. C'est que juste au lieu de faire la boucle par là, je vais la faire par là. Donc là, je passe à ras. Parce que je me décale d'un cran sur le côté là. Allez, c'est parti. C'est parti ce coup-ci. Pourquoi tu t'es éteint, toi? Je t'ai pas demandé d'éteindre. Allez, on déverrouille ça. C'est bon. Allez, je la verrouille. Hop. Allez, on est parti. Hein. Pas besoin de gasoil, je pense pas, ils m'ont pas dit d'en mettre, donc on continue. Donc voilà, on va passer tranquillou. La vidéo va être un peu plus longue parce que bon, là pour faire le trajet, c'était un peu chaotique pour le sélectionner. C'est cette histoire de bâtiment là, parce que vous voyez, il y a les rails qui passent bien, mais on voit pas qu'il y a un bâtiment sur la carte. C'est un peu dommage parce que j'aurais vu le bâtiment, j'aurais dit bah non, je passe pas par là, je peux pas. Mais voilà, c'est. Et puis les portes s'ouvrent pas, donc automatiquement, ça nous coince un petit peu. Peut-être une chose que justement que sur la carte les développeurs devraient peut-être remédier, c'est que quand il y a des bâtiments comme ça qu'on doit faire des manœuvres, qui nous mettent où sont les bâtiments. Ça serait peut-être pas un mal. Là, comme c'est là, ouais, pour venir à celle-là, comme je disais, bah, faut que je vienne, je continue jusqu'à, je sais pas où, jusqu'à là, hein. Parce que moi là, je vais arriver où? Comment je vais arriver là? Je suis là, je vais arriver comme ça, comme ça, comme ça, ici, à ce moment-là, là, on va tourner comme ça, ok, c'est bien. Comme ça. Ah, c'est bien. Ah, moi je tournerai bien comme ça, voilà. Pour aller. Pour aller ici. Comme ça.
puis là, quand on serait arrivé ici, ben, on repartirait dans l'autre sens. Hein. Donc là tout doucement on y va, on roule tranquillement pour aller à notre train qui est là-bas. On voit où on doit aller accrocher. Hein. Mais bon, faut qu'on arrive là-bas. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que bon, c'est pas facile de créer son itinéraire comme ça, qu'on a des manœuvres à faire comme ça sur grosse gare de triage. C'est pas très facile. Mais après, bon, voilà, faut le faire un peu au feeling. Là, j'ai voulu faire le truc, bon, ça n'a pas marché. Donc, je dis, bon, c'est pas grave, je vais avancer. Et on va voir. Donc là, c'est même pas dit que ça fonctionne comme je veux. Hein, parce que là, faut que je disais, là, faut que je tourne ici. Ah, il va tourner, il n'y a pas de souci. Ici, il va finir tout droit comme ça. Et là, faut que. Il tourne, ouais. Il va tourner, mais après, c'est. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Là, après, ici, faut que je revienne comme ça. Mais mon train, il est là. Il est là. Ici, ouais. Voilà, faut que j'arrive par cette voie-là. Et là, va peut-être falloir commencer à ralentir, même freiner. Donc maintenant qu'on est là, moi ouais, je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais aller là, de là, je vais aller, ouais, ici, et là, je vais rouler ici, et mon train, il est sur cette voie-là, il faut que je passe sur la voie d'à côté, je me suis fait avoir, vous voyez, comme quoi, on peut se faire avoir tout doucement, c'est qu'il faut que je passe sur la voie d'à côté. Donc indirectement, faut que je passe comme ça. Là, faut que je vienne ici. Ici. Et là, par contre, faut que je passe sur la voie qui est là. Ici, comme ça. Donc là, hop, c'est bon. Là, on est bon. Là, c'est bon. Et là, on est bon. Donc marche arrière. Là, on va se mettre dans l'autre sens. On voit un peu où on va. Et on est reparti. Donc, on desserre les freins. Et on repart. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais arriver à passer sur la voie d'à côté de mon train pour pouvoir l'accrocher. Si tout se passe bien.
Là, on est bien. Ça se passe bien. C'est comme je veux. Là aussi. Et là, ça devrait être beau aussi. Donc là, on est bien. Ça que je voulais faire. Voilà. Et là, on va passer à côté de notre train qui est là. Et ici, alors après, alors le temps qu'il avance tout doucement là, là, faut que je vienne ici, non, ici. Et là, par contre, quand je serai arrivé ici, clac. Et on vient s'accrocher à celui-là. Donc on est en route pour aller à Tunis, le train au lotissement. Voilà, toutes les informations. Donc je rappelle que ce DLC, je l'ai en double. Que j'ai une clé de ce DLC à tout hasard. Là, à l'heure qu'il est, je sais pas ce que j'en fais, je vais en faire. Parce que je ne sais pas, comme c'est les développeurs qui me l'ont envoyé pour... parce que j'avais un problème de récapituler. Je vous ai expliqué que j'avais un problème de DLC sur le 3. Que j'arrivais pas à récupérer sur le 2. Que je l'avais acheté en version boîte, le Rush. Et du coup, j'avais la version de luxe, donc du coup, j'arrivais pas à les récupérer. J'ai écouté Flame Crossover, je ne pouvais rien faire, donc j'ai contacté les développeurs. Les développeurs m'ont envoyé les clés. Mais en m'envoyant les clés de la version de luxe, ils m'ont envoyé celui-là que j'ai pu récupérer et deux autres. Voilà, j'ai ces trois clés-là pour la Xbox qui sont encore valables. J'ai trois clés. Donc voilà, c'est. Je sais pas ce que je vais en faire. Si ça intéresse quelqu'un, ben, qui me contacte, hein, qui me le dise. On trouvera peut-être un arrangement pour que vous les ayez. Bon voilà, après on peut toujours s'arranger. Hein. Les vendre, je pense pas que j'aurai le droit, que j'ai le droit de les vendre. Je sais pas. Je vais vous dire, franchement, je ne sais pas. Je sais pas si j'ai le droit de les vendre, je sais pas, j'ai aucune idée. Comme c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas. Est-ce que je peux l'échanger contre un autre DLC que quelqu'un, voilà, qui voilà, il y a ce DLC qui m'intéresse, ce DLC, et puis par exemple une loco, qui me dit oui, ben, oui moi ça m'intéresse, et puis dire bah, bah écoute, tu me prends ce DLC là et cette loco, et moi je te donne les trois DLC à la place, voilà, je sais pas si j'ai le droit de faire, je sais pas. Parce que moi, si je peux le faire, oui, moi, j'ai des DLC qui pourraient m'intéresser sur ce jeu. Dire, bon, voilà, cette loco et puis ce DLC-là. Et moi, je te donne mes trois DLC que j'ai. Je te les donne les trois, il n'y a pas de souci. Bon, parce que quand même, les DLC là que je vous parle, il y en a quand même 90€ de DLC. À part en ce moment qu'ils sont à 10, il y a 10% dessus, donc ils sont à 26€. Donc voilà, c'est bon. Et le DLC que je veux, moi, qui m'intéresserait, il est à 30€, plus la locomotive, 11€. Donc vous voyez, ça va pas chercher bien loin. Donc vous êtes quand même gagnant. Peut-être pour 40€ de DLC que vous allez m'échanger, vous allez avoir 90€ de DLC. Donc après, voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, il y a peut-être moyen de s'arranger. Je sais pas si j'ai le droit de le faire, si j'ai pas le droit de le faire. Quand j'aurai la personne, qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, moi ça m'intéresse de les avoir, je contacterai les développeurs pour leur demander si j'ai le droit de le faire. Parce que
Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais acheté un jeu, il y avait justement des DLC qui ne m'intéressaient pas dans un jeu boîte. J'ai revendu le DLC à part. Voilà, j'ai revendu le DLC à part. C'est pas gênant. Des fois, quand on fait des précommandes, des fois, il y a des personnes, on a des DLC de précommande. Il y en a certains qui se grattent pas de les revendre sur eBay, enfin sur eBay ou sur le Bon Coin, ils se grattent pas de les revendre. Hein. Il y en a qui les donnent, il y en a d'autres qui les revendent, donc je sais pas. Après, voilà, je voulais vous me contacter, vous me mettez un message sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, sur un commentaire comme quoi, voilà, vous êtes intéressé, et puis après on se met en relation via, je sais pas, Facebook ou ouais sur Facebook ou par Messenger et après voilà ouais. Après voilà comme je vous dis je les ai voilà j'ai ces trois clés alors à l'heure qu'il est là on est quand même le 28 octobre donc ça fait quoi 2 jours que j'ai les clés je sais pas pendant combien de temps elles sont valables hein, après enfin, que vous les avez validés sur votre compte, c'est sur votre compte. Et ce que je veux dire, c'est tant que je les ai pas enregistrés, je sais pas si elles ont une durée de vie avant qu'elles soient utilisées. Est-ce qu'elles ont une durée de vie de 6 mois, d'un an, je sais pas. Tant qu'elles sont pas utilisées, voilà. Parce que pour l'instant, les clés sont valides. Donc, combien de temps vont rester valides, je sais pas. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Contacter pour les prendre. Donc voilà, on va s'accrocher à cette formation qui est juste à côté, hein, où il y a déjà 3 locomotives, on va mettre une quatrième devant. Et là, on va repartir comme ça. Donc là, hop. Marche avant. Et on est parti. C'est quoi ces... Je vous montrerai à la fin de la vidéo là, à la fin de la vidéo, les 3 DLC qui sont concernés par ce que je viens de vous dire. Hein. Donc il y a celui-là, je sais pas si le Stangrad, ouais un truc comme ça. Je vais vous les montrer. Donc et j'ai 3 clés pour celui-là. Donc celui-là, DLC, avec la plaque tournante, les scénarios et tout. Et l'autre, et 2 autres, je voulais montrer. Je sais pas. Alors. C'est rage. Neutre. Neutre.
Hop. Est-ce qu'elle s'est accrochée? Ouais. Et moi, faut que j'aille. Vous pouvez pas me le dire avant de me monter dedans. Non, mais... Ah, c'est où je l'étais. Elles sont détruites. Ah, elles sont pas détruites. C'est lesquelles qu'il faut que je ramène? Les deux ou une seule? On va déjà activer un peu la puissance et on va voir parce que là je comprends pas trop. Je comprends pas trop là. Ok. Faut que j'aille où moi là? C'est où qu'il faut que j'aille? Ouais, faut que je vienne là. Alors, pour faire ça, pour faire simple, on est ici. Alors, faut venir. On va venir jusqu'ici.
On va revenir comme ça. Ici, on va repartir comme ça. Après, on repart comme ça. On repartira comme ça. Là, comme ça. Ah, mince. Ça. Là, là, comme ça. Et là, ok. Allez, go. Ah, qu'est-ce que c'est qui me freine comme ça? Il y a un truc là. Il y a un truc qui me freine là. C'est quoi? C'est la locomotive de derrière là qui me freine? On va voir si ça fonctionne là, parce que là ça me freinait plus qu'autre chose hein.
J'arrive pas à décompresser les freins, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que c'est qui me gêne ? Il doit y avoir un frein quelque part qui reste coincé, mais où ? J'ai un frein qui reste coincé, on dirait. Ah, c'est casse-pied, ça. Avec cette loco, j'ai toujours le même problème. On va faire un truc, bougez pas. Là ça commence à m'agacer. Quand je peux couper tout ça. Je sais. Tout ça serait parti. Parce que là c'est un peu casse-pied hein. Je suis obligé d'accélérer comme un bourrin pour arriver à la faire bouger. Toujours eu ce problème là avec cette loco. Ça a toujours été. Si j'avais un frein qui restait bloqué.
Comme il avance pas en plus. Il y a pu partout, on verra bien. Peut-être que ça va le déclencher, hein, le frein. Oh là 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 là. Ah là 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 là, ça fait comme ça là.
Ah ouais? Pas mal celle-là, parce que là, ils m'ont dit de m'arrêter là, hein, parce que bon, il fallait que je m'avance, hein, mais le truc, c'est que là, maintenant, je fais comment? Pour ravitailler. Hein? Je fais comment pour ravitailler, vu que je suis trop loin maintenant? Connecter le pistolet. Elle est pas mal celle-là quand même. J'ai un truc, hein, parce que là, du coup, je vais te coincer, je veux pas pouvoir y aller. Non, mais sans déconner. Je peux pas remonter. Alors, comme ça. Je peux pas rouler avec le bouchon ouvert, d'accord, ok. Non, mais c'est juste une bagatelle. Non, c'est vrai que. Alors, on recule un peu. Ah, ça devrait être bon, je vais pouvoir me brancher quand même.
Encore? Oh la vache. Eh ben, la vidéo va durer longtemps quand même celle-là. Ben disons que là, cette saloperie de locomotive là reste freinée, donc forcément on ne gagne pas de vitesse, on a du mal à rouler. Pour la lancer, ça met un temps fou. J'espère que l'autre ça va aller mieux. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un frein qui restait bloqué, je sais pas. Et je trouvais pas de bouton où il y avait un frein qui restait bloqué. J'ai même été, vous avez pu voir quand j'étais dans la locomotive, regarder les freins s'ils étaient bloqués, j'ai tout foutu en desserrage, mais ça a rien changé. Ça a rien changé. Eh bien, cela est déjà un peu plus en ordre. Merci pour votre aide. Prenez un café, vous méritez bien une pause. Ah, il me dit qu'il fallait que je prenne une pause, mais non, ben bah, d'accord, ok. Je cherche pas à comprendre. Hop. Bien sûr. Ça, c'est les dé... Ah, ça me casse les pieds. Voilà, ça c'est bon. Faut que j'aille l'atelier au train de charbon qui est là-bas. Allez, on va commencer à avancer.
Qu'est-ce que c'est ce Beans encore? Pourquoi la traction marche pas? Ça accélère, mais il n'y a pas de... d'entraînement. J'ai pas enclenché la génératrice. Ok. Je me disais, mais je comprenais pas, ouais, mais c'est vrai que ce bouton a fait, je pense. Bon, on va essayer de rouler un peu plus vite pour aller là-bas parce que là, on est déjà 1h20 de vidéo, là, ça commence à faire un peu long. J'ai leur dit qu'à planter, bien sûr, tant qu'à faire. J'ai plus le retour de Twitch, j'ai plus rien. Tout a planté. On va l'éteindre, on va le rallumer, hein. On va voir si ça repart. Là, on va arriver là. Toi, tu es arrivé là. Tu freines, non?
Ah ouais, ouais, bah, pour te faire ralentir, je trouve que cette solution-là. Hein. Non, mais tu veux pas ralentir, donc. Automatiquement. Il freine pas ce train. Pourquoi il freine pas ce train? Il freine pas. J'ai beau faire tout ce que je veux, il freine pas. Au contraire, il accélère. Ça ne pas arriver à freiner un train. Je me sers n'importe quel frein, il freine pas. Le train freine pas.
100 balles, mais il freine pas. Éteignez tous les éclairages. Je pense que là, on est arrivé au bout du scénario. Il a été un peu long. Donc, entre une locomotive qui reste les roues bloquées, que j'arrive pas à débloquer les roues, celle-là qui freine pas du tout. Donc, dans l'ensemble, ça fait que sur 4 locomotives, on fait une qui freine, qui accélère, qui marche comme il faut. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, aucune idée. Jusqu'à présent, c'est la première fois que je rencontre ce problème-là, sur un scénario. Et je crois que clair et net, c'est la première fois que je le fais, parce que je n'en ai jamais entendu parler dessus, là. Donc voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je suis désolé pour la longueur de cette vidéo. Oui, je vous parlais aussi de... que je voulais vous dire, c'est ça, retour au menu principal vite fait. Les fameux 3 DLC que je vous parle, c'est... Alors, c'est ceux-là. Donc, le Sandpack pack Grad, celui-là. Le Backerloo Lean. Et le Hit Speed Lean. Voilà, ces trois-là. Là, tac, tac. Les trois que je mets en gris, là. Pas le TGV. Celui-là, 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 celui-là. C'est ces trois-là. Et moi, j'aimerais bien avoir celui-là. Il est là. Celui-là, avec cette locomotive-là. Voilà, ces deux-là. Donc, vous voyez là, il est en promo, donc voilà. Après, voilà, moi, je peux les prix de des miens, je peux vous montrer ce que le prix. Normalement, ah non, il veut pas t'afficher, maintenant que je les ai. Mais ils sont au même prix que ceux-là, hein, 26,99€, voilà, soit à ce prix-là. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà. Donc si ça intéresse du monde, qu'on me contacte et puis qu'on me dise et puis à ce moment-là. On trouvera peut-être un arrangement pour ces fameux DLC qui ne me servent à rien. Voilà. Allez, ciao ciao, à la prochaine.